secteur agricole était dans une réforme. Et cette réforme, qui est une réforme profonde du secteur, s'est caractérisée par, disons, la séparation des fonctions régaliennes de l'État et les fonctions partagées. C'est un élément fort et ceci s'est marqué par la mise en place de nouvelles structures opérationnelles. En 2016, deux directions étaient créées pour accompagner les producteurs sur le terrain. Il y avait les ATDA, qui sont les agences territoriales de développement agricole, et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui sont chargées, donc, en ce qui les concerne, de représenter le service public au niveau départemental et de contrôler l'application de la réglementation en matière zoosanitaire, phytosanitaire et chiosanitaire. Les directions départementales de l'agriculture, qui sont 12 pour l'ensemble du territoire national, et les agences territoriales de développement de l'agriculture, qui sont 7, réparties donc au niveau des pôles de développement agricole. C'est dans ce cadre que nous sommes chargés aussi donc, de coordonner les interventions de l'ensemble des acteurs au niveau du département, de gérer les statistiques agricoles au niveau du département. En février 2017, Enabel SCTB, à travers le projet Profit Vie, est venu en aide au DDAP à travers un certain nombre de formations et à travers un certain nombre de dotations en outils de travail. L'élément pratique, c'est la définition donc, des relations hiérarchiques et fonctionnelles pour un poste. Et c'est ça qui rend donc, c'est ça qui permet donc de définir le caractère opérationnel des fiches de poste type et qui permettent donc à l'opérationnel de dire ce que chaque agent fait pour permettre d'évaluer sa contribution à l'exécution de la mission confiée à la structure. Je peux citer entre autres la formation sur la gestion axée sur les résultats développement. Je peux citer également la formation sur la déontologie administrative. L'autre élément, c'est que les interfaces entre les différents postes sont très bien définies, de sorte que le manager a une vue claire de ce que chaque agent devrait faire pour, disons, lui permettre, disons, de gérer au mieux les conflits d'attribution, connaître quelles sont les limites d'intervention des uns et des autres. Nous avons reçu également donc, des formations sur ce que nous allons appeler la planification départementale harmonisée. Sur également l'internalisation des tests législatifs et réglementaires au Bénin en matière donc, de contrôle des végétaux, de contrôle des animaux, des produits animaux, des produits végétaux et des produits de pêche. J'avoue que c'est passionnant parce que lorsque nous avons des experts qui s'y connaissent, c'est quand même très intéressant où l'utilisation des mots vagues n'est pas permise parce qu'il faut, disons, rendre pratique et mesurable les termes qui sont utilisés dans l'élaboration des fiches de poste tant pour les relations hiérarchiques que fonctionnelles. La définition des fiches de poste-type s'est évidemment bien arrimée avec ces réformes. Et je crois que cela venait combler, disons, un besoin qui n'avait pas, disons, été satisfait dans l'ancien système où on avait les quarts d'air. Et de fait,
il y a résolument l'opérationnalisation des attributions d'organisation fonctionnement, ce que nous appelons AF, donc de ces nouvelles structures, notamment pour les directions départementales de l'agriculture que je connais très bien. Et ces AOF ayant déjà défini donc les missions, les cahiers de charges des différents services donc de directions départementales, et le PAROC nous a permis donc de traduire ces missions en cahiers de charges au niveau des différents postes qui sont pourvus. Au niveau de la coordination des interventions, les fiches de poste type nous ont permis donc de situer le genre dans tous ces aspects de planification. Alors qu'au niveau des fiches de poste type, au niveau donc du service de suivi de promotion de développement agricole, ça a permis de situer les activités dans le suivi de la mise en application, de la prise en compte du champ du genre dans la mise en œuvre de tous les projets programmes qui interviennent donc à l'intérieur du département. Si je prends la gestion assez sur les résultats du développement, cette formation nous a permis de connaître la définition des objectifs en liaison avec les objectifs du développement au niveau national, c'est-à-dire les orientations du gouvernement. Ça nous a permis également donc, de définir les activités de façon objective, pas en tenant compte des moyens, mais en tenant compte des résultats à obtenir. Les indicateurs, leur formulation. Tous les agents au niveau donc, de mon département connaissent aujourd'hui comment élaborer de façon objective un TDR, le thème de référence pour la réalisation d'une activité. Ça, c'est à l'actif de Enabel. La division surveillance alimentaire et nutritionnelle que nous retrouvons au niveau donc, du service de suivi de la promotion du développement agricole. C'est une activité de contrôle, après tout, et qui, disons, dans la hiérarchie, est beaucoup plus en lien hiérarchique et fonctionnel avec l'APSA. Concernant l'élaboration des fiches de poste, nous avons été acteurs donc, de l'élaboration de ces fiches de poste. Comme vous le savez, lorsqu'on crée une direction, c'est à travers l'AOF. Or, l'AOF est globale. Il faut que l'AOF soit opérationnalisée. Et si l'AOF n'est pas opérationnalisée, chacun y va donc de ses activités, chacun travaille comme il veut. À travers donc les fiches de poste, d'abord le directeur que je suis, j'essaie d'identifier l'agent qu'il faut à une place donnée. Parce que la fiche de poste indique les profils poste, l'ancienneté donc de l'agent, quelles sont les connaissances que l'agent doit avoir. Quels sont les diplômes que l'agent doit avoir? C'est très important. Nous avons un service chargé de contrôle et de réglementation, où nous avons des agents qui sont postés pour le contrôle des végétaux et des produits végétaux. Quand vous regardez, il a fallu les fiches de poste type pour faire la nuance entre cette division qui se situe sous un service que nous appelons service de suivi de promotion du développement agricole, et les autres qui sont placés donc au niveau d'un autre service que nous appelons service contrôle et réglementation. Le diagnostic au niveau donc du ministère a montré que peu d'agents maîtrisaient donc les tests réglementaires. Il y avait des tares qu'on traîne dans la gestion du personnel sans le savoir parce que chacun se focalisait sur sa formation de base. Vous êtes recruté agronome, vous connaissez bien tout ce qui est agronome, mais malheureusement, on vous met sur à un poste où, en dehors donc, de votre capacité technique, vous avez l'obligation de gérer des ressources humaines. À travers donc, la formation de manager coach, on a, déblayé l'ensemble des dysfonctionnements liés à la mauvaise appréciation de quelqu'un qui est à un niveau N plus 1 par rapport au niveau N. C'est des éléments qui ont considérablement amélioré la communication à l'intérieur du service et qui ont réglé beaucoup, beaucoup de problèmes.
Et comme nous sommes chargés donc de faire le contrôle de l'application de la réglementation au niveau départemental, donc nous tous, nous avions été formés. Au niveau de la planification et du suivi et évaluation, nous avons le service qui s'occupe de la programmation, de la coordination des interventions, qui est la cheville ouvrière de tout ce qui est élaboration PTAB. Mais nous avons le service enquête statistique et capitalisation, où nous avons la division suivi-évaluation, donc qui utilise la matière première produite par le service coordination des interventions, c'est-à-dire le PTAB, pour pouvoir faire le suivi-évaluation. Donc, il a fallu les fiches de post-type pour que nous n'en arrivions pas à des conflits d'attribution. Les agents ont été formés et aujourd'hui, ils sont tous aguerris pour mieux faire le contrôle sur le terrain sans qu'il y ait de quiproquo avec qui que ce soit. Les acquis ici sont liés aux outils, les outils de travail qui sont évalués chaque année, deux fois au moins. Il y a la revue à mi-parcours et la revue à la fin de l'année, au moins que nous faisons au niveau donc de la direction. Et au cours donc de cette revue, ce sont ces outils-là que nous essayons donc d'apprécier. Nous avons aussi des cadres de concertation que nous animons, qui sont budgétisés. Donc nous avons déjà pris toutes les dispositions pour que les acquis ne soient pas abandonnés.